Et donc, bien le bonsoir et bien le bonjour à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous avez passé donc un bon jeudi. Bon, un petit peu fatigué, mais bon, ça va, j'arriverai quand même à gérer. Et donc, nous allons. Je vais vous présenter un nouvel épisode Retour vers le passé. Et donc, le nouveau jeu qui est donc. Que je vous présente, c'est donc Medieval numéro 2. J'avais déjà fait un petit peu. Justement hier soir. Et ici nous allons continuer. Bon, c'était ainsi dire l'intro hier. Bon, si ça veut dire ça, je vous ai déjà montré pour ceux qui l'ont déjà vu. Et bien sûr, j'ai oublié le plus important. Enfin, le plus important. C'est peut-être pas sûr, mais bon. Au moins que vous puissiez me voir. Et donc nous allons poursuivre, hein. On charge le jeu. Donc on était à Kensington. Donc comme c'est mentionné, Kensington. Bon, par contre, est-ce que je vais utiliser ceci ? Plutôt celui-ci. Wow. J'ai utilisé le bon vieux vieille épée. On va se rassurer, on nous sommes pas pressés. Ouais, donc vous pouvez le remarquer, celui-là il fait ressusciter les morts. Il faut notre. Hey, bon sang de ça. Il y en a encore un autre. Ah oh, putain, je l'ai pas vu. Oh, il va déjà me faire chier celui-là. Bon, on va dire j'ai déjà perdu le 2/3 de ma vie juste sur quelques mètres. Ça, s'il ne touche pas. Oh, mais ça, je pense que. Bon, on va réutiliser. Ouais, c'est vrai que je peux changer. Mais touche. Alors ça va être compliqué. Comme je dis, on est qu'au premier niveau. Enfin, au deuxième. Ouais, non, je pense qu'il faut aller tout de suite au-dessus. On va visiter au sol d'abord. Ouais, donc là, il faut la clé, je ne l'ai pas. Donc la clé dépôt.
Bah, je pense que je viens de là-bas, non? Ah non, je viens pas de là-bas. Ah, par contre, il est encore là, hein, ça va. Ouais, vaut mieux ça, hein, quand même. Vraiment pénible ces ennemis là. Bon, là, il doit avoir un levier, bah ouais. T'es caché. T'es de l'autre côté. Allez, on monte. J'attends de l'eau qui coule, mais je sais même pas d'où. Ah, deux. On va même pas y aller dedans. Donc la caisse là, je suppose que je peux la déplacer. On va voir ce qu'il va me dire. Certains éléments peuvent être poussés ou tirés. Place-toi à côté d'un objet et maintiens la touche action enfoncée. Utilise ensuite les touches directionnelles pour le déplacer. Mais on va. Ah, il a quand même de la force, hein. Malgré qu'il n'a pas de muscles. Ah bah, avec les dépôts. Ouais, on va aller par là. Ah, ils sont là, c'est déjà plus facile à les neutraliser. On part là, je vais d'aller. Par là, je pense que je viens d'aller aussi. Parce que je viens par là. Donc faut que je descende. Faut que je descende. Aïe. Vas-y, il en manquait un. Alors, 71%. Clé hôtel particulier. Ah, vu que j'ai la clé du dépôt, je pourrais aller par là. Ah bah j'ai pas vu qu'il y avait un grand ennemi là. Donc plus que 12% si je lis bien. Ah, je pense qu'elle va les détruire d'un coup. Ah, ça c'est bien efficace aussi. Si par exemple on est trop débordé d'ennemis, bah, on peut toujours utiliser cet outil là pour pouvoir les neutraliser. On va grimper.
Moi je dis ça sent un coup foiré. Je me disais bien. J'arrive même pas à en toucher. Ah si. D'accord. Bon, je peux récupérer le casque, mais je suis même poule. Il y a rien d'autre à récupérer, je pense pas, non. Ah bah je pense que non. Bon je n'avais pas où alors. Moi, je suis un peu trop loin. Je sais même pas où aller parce que tellement que la caméra est dégueulasse. Ah bah ça va, j'ai trouvé. J'ai trouvé donc où. Faut de la vitesse. Ça, si je vais un peu trop vite là, ça risque d'être un peu. Voilà, ça passe. Alors, le calice, il est où le calice? De toute façon, ça sert à rien que je continue à. Essayer de les tuer parce que. Enfin, les tuer. Oh la blague. Bon, on va prendre le restant. Bon, l'hôtel particulier, il était où encore? Ah bah il est là. Ah, qu'est-ce qu'on doit donc récupérer là-dedans? C'est bien ici que le sort a été lancé. Recherche des indices, puis dirige-toi vers le musée. Il s'y passe de drôles de choses. Ah. De toute façon, faut que j'aie le calice d'abord. Montre gousset. Ouais, donc il manque quand même le calice. Ah mais là il est peut-être au-dessus du... C'est bon, il y avait un passage juste ici. J'ai pas encore été. Ça se peut, il est peut-être là-dedans. On va voir ce qu'il me propose. Oh, pistolet, non. Ah. Ah, je me demande s'il va justement pas me faire diriger là-bas. Ah, bah non, c'est pour le calice. Ah, tiens donc. C'est parfait. Donc là, nous allons monter sur le toit du musée. Ah, peut-être descendre d'abord. Ah non, je peux même ici grimper, c'est encore mieux. Et toujours la caméra aussi dégueulasse.
Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Vérifie que tu possèdes le calice, Dan, car tu ne pourras pas revenir en arrière une fois cette porte franchie. Y a pas de saisie, je l'ai bien. Wow, maître, content du butin. Oh. Oui, mais hélas, nous ne pouvons pas entrer dans cette tombe. Nous reviendrons plus tard. Direction à le musée. Très bien, Dan. Mais il faut sans doute sauvegarder. Donc nous allons sauvegarder de ce pas. Oui, maintenant sur donc le jeu Medieval 2, c'est plus niveau par niveau que vous aurez le calix, enfin comme le hall des héros tout ça. Donc en fait, des fois sur un niveau, vous pouvez faire plusieurs d'un coup, quoi. C'est des sous-niveaux. Ouais, par contre. Ouais, en plus, je meurs et en même temps j'ai ça. Moi je le sens mal. Je le sens très mal. Ah, je pense que je vais mourir. Ah, je peux pas grimper. Maintenant, si eux ne grimpent pas, il y a toujours moyen de tirer au pistolet, mais... Quoique c'était mieux comme ça. À part des approvisionnements, il n'a pas autre chose à me proposer. Et comment je fais pour aller là? Ah, en fait, c'est obligé de descendre. De toute façon. Bon, bah. Heureusement qu'il y a ça d'ailleurs. Bon, par contre, on va utiliser. Merde. Ce qui est le pistolet. Pénible. Ah ouais, à chaque fois j'ai oublié que je peux switcher d'armes. De toute façon la torche, je suis obligé de la reprendre. Alors la torche à la place du pistolet. Allez, je prends du feu. Voilà. Bon, est-ce qu'il y avait...
Ah oui, il y a vraiment rien pour pouvoir... Ah oui, par contre, comment on fait ici? Il y avait un moyen de pouvoir mettre le crâne... Enfin, qu'il puisse donner le crâne, mais ça, je sais plus. Ah putain, je sais plus comment on faisait. Est-ce que c'est pas dans les options par contre? Options commandes. Ah, je sais plus comment ça, comment on faisait encore. Je sais plus comment on faisait pour le crâne. Bon, c'était select, non? Comment on faisait encore pour les crânes? C'est peut-être pas tout de suite. Il n'y a pas un emplacement pour... Ah, aussi. Je me disais aussi. Ici, il n'y a même pas d'emplacement. Non, il n'y a même pas d'emplacement. Bon, bah alors. On va se démerder. Hein. Ah, ouais, normalement, il y a un emplacement de. Ça correctement. Ah, parchemin de Sheikhmen. Ah, je me disais bien qu'il y avait... Ouais, j'étais quasi sûr qu'il y avait un ennemi juste là. Ah, les pouces. Tablette d'Horus. Vaut mieux que j'allume la quoi la torche. Alors le. Je suppose que là il faut mettre là les deux objets. Donc là, c'est donc le parchemin. Et là, je suppose qu'il faut mettre. Tablette d'Horus, non. Tablette d'Horus ici, donc. Donc il en manque. Je parie tout ce que tu veux, c'est concernant le crâne. Oula. Lumière. Ça, on va le remettre là-bas. Ça, enculé. Est-ce que je peux déplacer ça? Tiens, ça m'étonne qu'il y ait rien. Donc, c'est avec le crâne. Comment on fait? Ah, peut-être vers le bas? Non. En bas.
Je sais pas comment on fait encore pour le... pour donner le crâne. Mais je ne me souviens plus. Je sais plus. C'est là que je peux lui donner, enfin je peux enlever le mon crâne et lui donner ma... Ah, je sais plus comment on faisait. Le pire c'est qu'il explique même pas comment faire donc. Bon, et c'est tout. Non, ça c'est pas possible. Donc ça non plus. Ça c'est pour l'écran. Donc ça non plus. Comment on sait encore? Bon, attendez, est-ce que ça, ça me saoule. Ça me saoule grave, je le sens bien. Donc là j'y étais. Ah oui, il y avait peut-être encore un autre placement. C'est sûrement ça, j'ai oublié un autre emplacement. Et ça, je sais... Comment ça se fait que je peux pas... Avec le crâne, je peux pas encore. Peut-être le bâton est dedans que j'ai pas fait. Ça me saoule déjà. Ça me saoule déjà. C'est là-bas, il me semble que j'ai déjà été, donc je vois pas pourquoi tu as... Ah non, en fait, il y avait un endroit là-bas que j'ai pas vu. Donc... On recule celui-là. Là, j'ai pas le temps. Putain, mais il est encore là, mais je l'ai déjà tué tout à l'heure.
Allez, tu le... Ah, il va me tuer longtemps, je pense, celui-là. Alors, torche. Alors le bâton, qui doit avoir le bâton? Allez. Ah lui, il a déjà eu son truc. Lui, il a pas eu son petit bâton. Ça va me permettre d'ouvrir donc la tombe. Et donc voilà. On va donc retourner donc au labo du professeur et voir ce qu'il nous propose. On va déjà aller chercher le calice. Voici le marteau de Thor. Vous allez faire un malheur avec lui. Ouais, pas mal. C'est pas mal. Fortesque, vous avez réussi, bravo! L'énergie que vous avez accumulée nous a bien servi. Mais je vois que vous n'êtes pas revenu les mains vides. Je n'aime guère les chiens errants, mais quand ils sont aussi mignons que celui-ci, je ne peux m'empêcher de... Désolé, vraiment désolé. Vous affirmiez avoir trouvé d'autres choses intéressantes? Un quoi? Un serpent. Oh, un chien avec une fusée. J'ai trouvé ça aussi. Intéressant. Je vais l'analyser et voir ce que je peux en faire. Sœur Dan, veuillez avoir l'amabilité de me rapporter un peu plus de jus de zombie. Ouais, bien entendu. On va chercher ça. Par contre, je vais pas ouvrir le frigo. Bon, allez. La galerie des monstres. C'est parti donc. Fente numéro 1. Bon, on va voir concernant la vie comment ça va se donner celui-ci. Bon, on va parler à lui. Dan, les Imps m'ont l'air très nerveux. Je sens bien qu'ils se trament quelque chose, mais je suis incapable de t'en dire plus. Au courant de rien, celui-là. Les Imps. Là par contre des fontaines directement au début du niveau, ça c'est très bien. En plus si je tombe dans l'eau là... Ah ouais, direct. T'as
T'as le pire, ça fait que 7% seulement de pour le calice. Donc 3 ennemis. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup. Je tiens bien sûr à m'excuser si je parle pas beaucoup ce soir, mais c'est le fait que je sois un petit peu fatigué, donc j'ai un peu de mal à dire quoi que ce soit. Oh, c'est n'importe quoi. Ça, il ne meurt jamais ou quoi? Ceux-là, quoi. J'ai un peu les mains engourdies aussi en même temps. Ah merde. J'ai même pas le temps de le toucher à 2-3 fois. T'inquiète, son dragon, il va essayer de me toucher, ça. J'ai une blague. Je le touche combien de fois avant qu'il... meurs celui-là. Ouais, il faudra 10 ans pour que je le tue, ouais, super. Il faudra 10 ans. Ah, enfin. Enfin. Bon, on poursuit. Ah, celui-là, s'il pique mon arme. Putain, mais... Eh, mais vas-y, mais tue-le, bordel. Je veux bien qu'il soit des minuscules, mais quand même. Bon, maintenant, c'est une... Mais vas-y. Oh, putain, ça me... Oh, ça me saoule. Mais... Oh là là, mais...
Et il a pas envie de taper. Ouais, super. Ah bien bonsoir, Tadjon, comment vas-tu ce soir? Moi, je t'avouerai quand même que je suis extrêmement fatigué. Je risque de pas avoir beaucoup de dialogue, on va dire spontanément. On fait aller, bah c'est à peu près pareil hein. Par contre. Pilon de poulet, d'accord. Je me doute et je pense que les semaines à venir vont être encore plus... Non, je ne saurais même pas te dire, je ne pense pas d'ailleurs. C'est... Pour moi, je trouve que cette semaine-ci... Bon, le fait que beaucoup ont dû prendre leur dernier congé... donc leur congé payé récemment, que certains sont en maladie. Mais bizarrement, ils vont revenir pour une bonne raison, donc... Oh, donc je pense non, à partir de la semaine prochaine, je pense que ce sera beau. Ce sera bien mieux. Ce sera bien mieux. Mais bon. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Grimpe sur le trampoline et saute en permanence pour t'élever encore plus. Pardon. Oh, de toute façon, voilà. Faut le faire avec. Ça y est, il saute. D'accord. Je sais pas pourquoi ça veut pas fonctionner ici correctement, mais bon, soit. Bon, ici, comme tu as pu remarquer, c'est donc un nouveau jeu qui est donc. Enfin, nouveau jeu rétro en tout cas, qui est donc. Medieval le numéro 2, je sais pas si t'as. Si tu l'as connu. Moi je l'ai fait. Je l'ai fait moins souvent celui-là par contre. On va faire quand même du ravitaillement pour. Pistolet. Vu que j'avais fait le premier il y a. Je pensais quand même quelques mois de cela donc. Ah, tu connais, monsieur. Impeccable. Je sais pas pourquoi je me sentais... Ah, oh, putain. Ah bah non, donc là j'ai les trois femmes et en même temps le... Ah ouais super, ah bah alors là super. Alors là ça a rien à voir. Mais touche-le mais... Et se fout de ma gueule ou quoi ce truc de merde? Putain là voilà, coup de marteau. Pénible hein. Qu'il est l'autre magicien. Ah, il est là. Ah,
Ouais, je pense que Medieval 2 il est sorti. Merde, j'ai pas vu qu'il était là. Faudrait que je regarde, j'ai justement le boîtier, donc je vais regarder. Je pense début 2000 hein, qu'il est sorti. Ce jeu là. Moi la PS2 je l'ai eu en 2003 donc bah allez même ah. Par contre je pense que je suis encore en mode hésitation à vraiment mettre de côté cette émission aussi parce que je pense que c'est pas du tout attirant pour énormément de personnes. Et moi je commence un peu à... Pas forcément à plus l'envie d'y jouer, mais voilà, c'est... C'est juste pour mon intérêt personnel, y a pas de problème, ça je le ferai tout le temps. Mais bon, j'aime bien aussi d'avoir montré qu'il y a quand même de l'intérêt pour les autres personnes, quoi. Mais donc c'est pas trop le cas. On va dire le GTRP pour l'instant, c'est le problème de texture qui fait que... ça empêche... En 2000 oh, j'en étais pas loin. Je te crois, mais je vais juste regarder par moi-même. C'est là, moi j'ai vraiment le... Donc, si vous pouvez le voir... Enfin, je sais pas si vous allez le voir... Je vais regarder via mon EBS pour voir. Donc. Voilà, ça, là je pense que là, c'est bon. Alors, c'était bien, je pense. Ouais, 2000, c'est ça. Et pour le 1, je l'ai, mais en version. Version Platinum, quoi. Et celui-là, il est sorti en. 98. Ah, bah oui. Google est notre ami, comme on dit souvent. Alors, je vais reprendre. Je vais... Ça m'étonne que je sois encore au... Au max côté... Ouais, pardon. Excusez-moi. Que je sois encore au max côté... Côté vie. Aïe. J'ai du mal là. Ouais, faut vraiment que je sois au bug. Ouais. En fait, ouais, il fallait que je sois vraiment au bug. Oh putain, quand je vois ça, ça m'inspire pas confiance. Ah, c'est vrai. Les Imps utilisent la galerie des monstres pour lever une armée d'éléphants robots géants. Retrouve-les et détruis-les avant qu'ils ne se mettent en marche. Ils dévasteront la ville si nous ne les arrêtons pas. Les éléphants géants. Même pas vu. Oh putain, mais allez, mais touche. Ouais, ceux-là, je ne vais même pas les toucher. Mais c'est bon, attendez. On va changer d'arme. Ah, dis donc, c'est même plus efficace le marteau. J'aurais dû utiliser bien avant. Oh, tout ça pour ça. Pas enfin, rien encore. Je suis quand même à 79% pour le calice, c'est déjà bien. Ah, mais il y en a encore d'autres. Il n'y a pas de problème, vas-y, donne. Ah, je les entends, mais je sais même pas où.
Ah mais... Mais oh, mais c'est une blague! Putain, je fais la touche croix pour justement lui taper dessus. Bordel de merde. Ah bah c'est ça les éléphants mécaniques. Mais touche bon sang. Par contre la caméra toujours aussi dégage, j'arrive même pas à tourner la caméra non plus. Bon bah à part ça, je pense qu'il y a... Y'a rien de ce côté-là, oui, y'a le... Alors, le receleur, qu'est-ce qu'il me propose? Je pense que c'est toujours la même chose, ouais. Pour l'étonnement, moi je suis au max. Mais non, mais... Je vais taper avec le marteau. Le bouclier... qui me sert pas grand... Ah, bah là, le calice. Mais je suis pas à 100% donc... Oui là ça... je confirme à 100%, le premier était bien mieux... Bah non celui-là il est bien aussi mais il est... Voilà, il est... Voilà, c'est différent. C'est celui que j'ai moins fait de toute façon donc... Alors, comment on va négocier avec les éléphants? Ouais, je sais, c'est comme dans le premier, il faut être derrière, je pense, ouais. Ah, en plus... Je me fais toujours toucher. Mais le problème c'est que je sais même pas éviter ses pattes hein, donc... Ouais. Déjà je me re-soigne. Les calices je l'ai pas encore, hein, moi non. Il manque 4%. Par contre, je vais changer. Non. Je voudrais bien le marteau à la place. Ouais. Ah. Le pire, c'est que je les entends, mais je sais pas où ils sont. Ah, ils sont au-dessus là. Comment on fait pour aller au-dessus? C'est ça la question. Comment on fait pour aller au-dessus? Ah bah. Mais bon, je me soigne. Comment on fait pour aller au-dessus? Mais tiens, vu que j'étais sous la main d'Adjunk, est-ce qu'il t'a répondu, Mr. Park, ou pas du tout? Parce que je sais bien que tu m'avais dit que tu lui avais laissé un message, donc je sais pas si t'a répondu. Ah ben là. Bon, je vais reprendre ma vie que j'ai perdue.
J'ai vraiment les mains engourdies, c'est incroyable. Ah bah voilà, c'est bien ça. Ne viens pas me dire que depuis plusieurs jours qu'il y a le problème sur Osiris, ils n'ont pas encore réglé. Bah en fait, le problème c'est que le développeur n'était pas dispo depuis quelques jours en fait. Ah, peut-être qu'il regarde pas forcément les messages privés, donc c'est peut-être normal. Mais ouais non, mais normalement c'est réglé ce soir, j'espère. De toute façon, si c'est pas réglé, je vais pas vous proposer un contenu où vous voyez que du blanc et que vous fassiez mal aux yeux. Ça c'est hors de question. Ouais, par contre là, j'ai peur de le tenter. C'est déjà qu'il saute pas haut. Regardez. Pour moi, il saute pas assez haut, hein, donc. Ah, tout juste, hein, quand même. C'est vraiment juste, hein. Sincèrement, est-ce que McFly n'a pas envie de déménager? Bah, écoute, déjà, trouver un serveur en. En soi, un bon serveur, c'est déjà compliqué, donc j'ai déjà essayé, bien avant Osiris, hein, j'ai déjà essayé de chercher, j'ai jamais trouvé mon compte. Non, je compte pas déménager tout de suite, c'est pas dans mon but. On va dire, le serveur me dérange pas, c'est juste que... est-ce qu'il faut que j'aille par là, par contre? Je pense pas. Le serveur ne me dérange pas, c'est juste... Mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ça va, me dérange pas comme je disais, c'est juste que... Bon, on va dire c'est un peu... ces histoires de... Que Monsieur Bigman soit flic... et que même Monsieur Wick le soit, ça... Pour moi, c'est pas cohérent. Ah, je dois recommencer du début? Non. Ah, putain, il m'a fait peur. Mais quand même, bon, j'ai quand même... Ah oui, non, ça vient vraiment. Mais putain, mais sois concentré, s'il te plaît. Ah non, c'est trop bizarre, ça c'est sûr, mais bon. Pour l'instant, je me contente de faire mon personnage, de continuer à faire son truc. Parce que même hier, hein, hier, il y a certaines choses, bon. Il n'y a pas simplement le fait de des images blanches qui m'ont dérangé, il y a eu d'autres choses qui m'ont... Pour moi, qui... un peu dérangé aussi, mais bon, ça fait partie du RP et faut que je prenne juste en compte dans le RP, quoi, pas extérieurement. Par contre là, faut que je vise bien. Ah, parfait. Je pense que le truc qu'il faudrait faire le plus souvent, je pense, c'est aider du club pro entre nous. C'est... Au moins, ça me détend, on est entre nous et c'est bien plus sympa, je trouve. Ça, oui, le RP, c'est bien aussi, mais voilà, il y a des moments où, j'avoue, je me fais chier parce que devenir pendant un certain temps, de pas forcément avoir du RP comme je le désire, en général, voilà. Ça me dérange. Mais... Je continue à faire mon truc, quoi. Par
Par contre, voilà, pas... dans la vie, on peut pas tout avoir non plus, donc... Et moi, j'espère gagner le million, c'est pas pour ça que je gagne. tu vises ou... c'est moi, il vise pas, hein. Enfin voilà, je me tracasse pas. J'ai déjà le boulot qui me fatigue pour l'instant. Et les vacances, c'est pas pour tout de suite, donc... clé éléphant numéro 1. Enfin, j'avais le numéro 2. Ah ouais, j'avais le 2, j'avais pas fait gaffe. Ouais, non, bah, j'avoue que... je confirme totalement, c'est pour tout le monde, parce que... C'est hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant. Donc je vais reprendre le marteau. On va reprendre les dernières... C'est pas énorme, mais bon, vaut mieux ça que rien. Par contre, tout ce qu'il faut que je vais mettre, les emplacements de clés. Faut que je retourne au tout début. Non, pas par là. Non, mais... La caméra, s'il vous plaît, bordel. Ah. J'ai entendu un bruit qui pourrait m'intéresser, ça. Est-ce qu'il est... Ouf, ah ouais. Ah oui, oula. J'ai récupéré beaucoup de vie. Alors, pour mettre les clés... Ah bah, c'est là. Alors, emplacement numéro 1. Et emplacement numéro 2. Est-ce que c'est fini ou pas? Non, c'est pas encore fini. Oui, c'est exact, je ne travaille pas ce samedi-ci. Et même si on me propose, je dirais quand même non, parce que non, là, j'ai fait 2 semaines d'affilée en 6 jours. À un moment, faut que je pense un peu à moi-même, à me reposer. Faut que j'aille chez le coupe-tif d'ailleurs, donc... Tiens, pourquoi il le touche pas? C'est une blague ou c'est une blague? Ah, il a un truc en vert, je viens de remarquer maintenant. Et comment je le détruis, ça? Et comment je le détruis, moi, ce bazar-là, s'il vous plaît? En fait, c'est juste ça, quoi. C'est fait parce que j'ai pas beaucoup de vie non plus, donc... Moi, c'est le même, on me fait travailler sous la pluie la semaine. Et on ose encore me demander d'aller samedi, on se fout. Ils s'en foutent, c'est pas trop. Ben moi, on va dire ça... Moi, tant que je peux me le permettre, ça me dérange pas encore. Je l'ai bien fait, donc... Comme j'ai dit, j'ai fait 2 semaines...
je l'ai fait pendant 2 semaines d'affilée parce que de moi-même j'en étais capable de le faire, mais sinon voilà, faut pas déconner quoi. Bon, là je dois attendre qu'il fasse le tour. Parce qu'en fait, moi ça me fait des heures de supplémentaires et en même temps ça me permet de prendre des congés en plus vers la période où il fait un peu plus meilleur. On va dire que c'est un sacrifice que je fais pour l'instant pour une bonne chose pour plus tard. Mais ici, vu que les fêtes se rapprochent, donc c'est quand même. Là, ça va être des semaines plus. Bon, on dit entre guillemets plus hard. Bon, vu pour l'instant, au niveau marchandises, c'est pas dire qu'on est vraiment saturé. C'est juste que le fait qu'il y a eu beaucoup d'absents pour l'instant fait que le boulot est plus lourd pour nous. Mais sinon. Faut dire que nos deux métiers ne sont pas du tout à fait les mêmes. Ah non, pas du tout. Je pense que toi, tu dois quand même souffrir plus que moi. Alors, on va refaire le plein. Par contre, avec la caméra, s'il vous plaît. La caméra, bon sang. Je viens d'aller par là. Je dis pas de bêtises. Il faut que j'y retourne. C'était où encore? Non, c'était pas par là. Je crois que c'était par là. Quoique non, c'était pas par là. Faut que je passe sous le chapiteau. Chapiteau, et puis il faut quitter de l'autre côté. Puis je pense qu'il y a 2 portes différentes. Alors, mais nous pas d'heure de récup et nos congés sont... nous sont des attributs d'office. Bah moi, j'ai quand même de la chance encore de... C'est où encore la porte? Qu'en fonction de nos heures de récup, on peut les prendre quand on le souhaite, entre guillemets. C'est pas forcément le cas tout le temps, mais en général, on nous refuse... on le refuse juste pendant la période des fêtes, parce qu'on va dire qu'on a besoin de personne, mais sinon, dans le reste de l'année, c'est pas le problème. Par contre, là, je me demande où est-ce que je dois... Non, pas par là. Ah là, bah là c'est là. Ah ouais, donc je viens de par là. Je viens de par là, il y a une autre porte de l'autre côté. Qui doit être ouverte maintenant. Voilà, donc je vais par là. Ah, donc j'ai fini. Eh bien écoutez, ça m'arrange. Parce que je voulais pas la faire longue justement. Donc ici on va parler au professeur, on va aller chercher le calice. Et puis, je vais déjà m'arrêter là pour... Ouais, non, mais t'inquiète pas, je compte partir dans 5 minutes, donc... Peut-être pour du RP, on se retrouvera, je verrai à ce moment-là. Donc ici, je vais juste parler au professeur, et puis je vais sauvegarder juste derrière. Dan, vous êtes de retour. J'ai tant à vous dire. J'ai analysé la montre, et je pense pouvoir vous révéler qui se cache derrière tout ça. Qui? Son nom est Lord Paltorn. Il tente avidement de gagner en respectabilité en intégrant le cercle des magiciens. Mais il en fut exclu pour avoir pratiqué la magie noire. Un homme effrayant à plus d'un titre. Pour autant que je sache, la ville entière est sous l'emprise de son maléfice. Toutes les âmes en peine de Londres hantent les rues. Une horde... Ok, pas de soucis, en tout cas, merci d'être passé. Nous y revoilà. Toutefois, je n'ai pas que de mauvaises nouvelles. Cette jeune femme n'est autre que Kia, 91e épouse de Ramsès lui-même. J'ai effectué quelques recherches et je puis affirmer que vous faites figure de jeune homme comparé à elle, sans vouloir vous offenser. Êtes-vous celui qui m'a libérée de ma prison éternelle? Je vous suis à jamais reconnaissante, grand guerrier. Trêve de mondanité, à l'œuvre. Ah, tout ça pour draguer la demoiselle. Bon, on va sauvegarder, puis je vais m'arrêter là. Donc en tout cas, merci pour ceux qui sont passés sur ce stream, même en coup de vent.
En tout cas, merci à Dajunk, vu qu'il est... Il est venu me dialoguer avec moi, donc ça fait plaisir. Donc normalement, ce soir, si tout va bien, ce sera du GTRP à partir de 9h. Et pour du retour vers le passé, je pense... Peut-être que ce sera... Je vais sûrement faire une pause au niveau de ce programme, parce que c'est pas attirant pour vous en tout cas, et pour moi je pense que je commence un peu à m'enlacer, donc je pense que je vais mettre ça de côté, et je poursuis, enfin si l'envie reviendrait, je poursuivrai donc Medieval 2, mais pour l'instant je pense que je vais faire un break pour cette émission là. En tout cas, je vous souhaite la bonne soirée, la bonne journée, et bien sûr, faites attention à vous.